Chérie, t'inquiète, je vais te les donner la nuit. Je sais que tu vas aimer ça. M'as-tu Bad compris? girl. Non. Non, bébé. Bad. D'accord. J'ouvre le portail immédiatement. Bré, bré, tabakaya. Bré, bré, saïti. Je sais que tu es capable de faire des choses. Regarde-toi, tu es meilleur. Tu es meilleur. Le meilleur élément de la bande. L'élément capable de faire tomber les Goliaths des autres bandes. Oui, mon garçon, passe par là. Passe par là. Meilleur élément, celui qui est capable de faire tomber les diables. C'est comme ça que nous. Boss, c'est Stigiana qui a essayé de vous joindre au téléphone. Mais il a dit que ça n'y passe pas. As-tu fini avec la consignation? Pas vraiment, boss. Et t'en tiens, non? Mais non, va-t'en. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour nous vaincre. Nous le savons tous que nous sommes les plus forts malgré tout ce que vous faites. Je sais, malgré tout ce que vous allez faire, que vous pouvez vous enfuir aussi bien, mais qu'à Babylone, que vous ne pouvez rien faire ici. Le garçon est sur le point de venir. Regarde du côté droit. Win a 1. 6, 5, 0, 2. Transaction effectuée. 5 sur 5. Carte verte parfaite. Bien. Carte parfaite. Très bien saisi. Besoin d'une cigare. Ok. À tout à l'heure. Préparez le véhicule. Préparez le véhicule. Bien reçu.
lui as donné beaucoup d'argent. Pourquoi tu lui crois autant? Ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens que je connais qui peuvent me trahir. Mais c'est définitivement pas l'un d'eux. Bébé, les humains n'ont jamais été parfaits, tu le sais. C'est mon fils. Mais il n'est pas ton fils biologique. C'est beaucoup plus que être le père biologique de ce monsieur. Ce garçon me doit. J'ai fait beaucoup de choses pour lui. Écoute, je lui ai offert la vie. Donc je le crois. Bébé, je aussi savoir si tu me crois. Oui, sûr. Sûr. Mmh. Je t'aime, bébé. Certainement. Je t'aime. Oui. Steven. Le téléphone. Ouais. Steven. La vache. Comment oses-tu? Steven, tu parles à un mort. Mort inutile. Tu as débordé les limites. Écoute-moi alors. Oui, j'avais planifié l'enregistrement de cette set. Je te donne 10 heures. Est-ce que tu peux te répéter? J'ai dit 10 heures pour me restituer tout ce qui m'appartient. Je suis à ton attente. Je t'attends. Allô? Quoi? Allô? Tu es en colère contre moi? Bébé, tu vas bien? Tu vas bien? Bébé, tu sais que je t'aime. Ah. Je t'aime, bébé. Danse pour moi. C'est bon. J'ai fait tout pour rendre à mon bébé heureux. Oui, il est Callistus, autrement appelé Sakaz. Il est le numéro 1 de la compagnie Kaz Collection, connu pour la couture des habits. Mais catégoriquement, je peux te dire que ce nom Kaz Collection, c'est juste un nom qu'il a toujours utilisé pour distraire le public. Quand ses affaires... D'ailleurs, laisse-moi te dire, ce monsieur est un vendeur de drogue. J'ai des témoins, j'ai des preuves, j'ai toutes choses. Il utilise les filles du spatch, danseuses, pour distribuer les drogues. Oui. Tu as dû parler des évidences. Est-ce que tu en as? Oh oui, j'en ai.
toute évidence. Je vois. Alors, aucun problème. Vous devez alors me suivre à la station pour en déposer une plainte. Ok, ça ce n'est pas un problème. D'accord, je te promets qu'il sera arrêté bientôt. Bien sûr, c'est ce que je veux exactement. Ok. La vie n'a pas de brouillon. Je répète, la vie n'a pas de brouillon. Quel plan? C'est l'un de nos bons clients. C'est quoi ton plan? Voilà pourquoi je suis ici. Je ne peux pas le retenir pendant plus de 24 heures. Je l'ai juste retenu parce que je voudrais te parler de la situation. Et s'il trouvait que je n'ai rien fait à propos de cela, je crois qu'il s'en ira ailleurs. Laisse-les partir. Je devrais les laisser partir? Laisse-les partir. Qui t'a envoyé? Salut tout le monde. Je vous salue tous. Qui est ici? Je vais acheter de l'eau pure. Qui est ici? Je vais acheter de l'eau pure. Je suis là-haut. Personne ne me répond. Je suis là, mon client. D'accord alors. Désolé. Je vais acheter de l'eau pure.
Désolé, oh. Que veux-tu? Je veux acheter de l'eau pure. Hein? Hein, celui qui est glacé. Hein? Hein? Tu peux un peu patienter, oui. Je veux celui qui est glacé. D'accord. Hein? J'irai bien. D'accord. Madame, donnez-moi de l'eau. Je viens. De combien veux-tu? Je viens, oh. Ça c'est doux. Ça c'est doux. L'argent est doux. L'argent est doux. C'est le bon de l'argent. L'argent répond à tout. Vous êtes de bons hommes. On a eu de l'argent. Et vous serez tous récompensés avec l'argent. Oui. Maintenant. Yeah. Allez, les gars. L'argent est doux. L'argent est bon. L'argent est bon. L'argent, c'est l'argent. Bien. Maintenant que les jeux commencent, l'argent, le partage du butin. Juliette. Boss. Yeah. Merci. L'argent. Stanley. Yeah. Voici ta part. Merci, boss.
Yeah. First, voici ta part. Sacha, prends l'argent, dépensez-le et utilisez-le. Et notre Titiana. Oui, boss. Yeah. Bon, célébrons l'argent. Yeah. C'est vraiment insuffisant. Ça. C'est insuffisant. Qu'as-tu dit? Tu m'as saisi. Ça! Je risque toute ma vie pour ce travail. Je travaille durement. Je travaille durement. Vous devez le savoir. Sachez-le. Sais-tu à qui tu es en train de parler? La tonne en personne. Si le boss lui-même s'adressait à moi, allait-il commencer par s'excuser? Ça! Prends ça! Quitte sur mon chemin. Je suis désolée, boss. Nous travaillons durement. Veux-tu me voir? Sakaz veut te voir. Je serai là. Quand tu seras là, tu dois m'informer. Ne les fais pas attendre pendant longtemps.
Salut beauté, comment tu vas? Bien. Damn, tu parais très belle. Qu'est-ce qu'il y a avec ton véhicule? Je ne sais pas, c'est juste une panne. Il fait très chaud en tout cas, c'est stressant. Tu as appelé un mécanicien? Oui, je l'ai déjà fait. Ok, il habite les environs? Bien. Il habite un peu loin. Tu dois vraiment être stressé, alors je verrai ce que je peux faire. Mais tu sais que tu es suffisamment gelé que tu ne peux pas rester sous le soleil comme ça. Mets-toi à l'abri et je verrai ce que je peux faire pour toi, ok? Si ça ne te dérange pas, tu peux, viens de l'autre. Oh non, je ne te ferai absolument rien, calme-toi, d'accord? C'est bien. D'accord, je vais voir ça. Excuse-moi, es-tu mécanicien? Non, je suis pas un mécanicien, c'est juste que j'ai de l'expérience, ok? Il y a un moment que j'avais ces véhicules. Apaise-toi, je maîtrise la situation, relax, d'accord? Ça c'est la batterie, je ne crois pas que c'est des liens. Oh d'accord, je suis juste en train de voir si la batterie est devenue faible ou comment. Hein? Relax, d'accord? Je sais. Demande-lui de quitter. Pourquoi? Ce que je vais dire ne peut pas être dit en sa présence. Là, tu essaies de m'insulter. Elle aussi ne doit pas le faire avec Titiana. J'ai fait de toi ce que tu es. Je suis devenue ce que tu as fait de moi. Accorde à Dieu un peu de respect, un peu de respect. Merde. Bien, elle n'ira nulle part. Ah! D'accord alors. Je fais mon chemin. Pas un pas de plus. Tire-moi si tu as le courage d'un boss. Boss? Vas-y. Tire. Pas encore? Alors dépose ton arme. Titiana. Le grand boss. Seulement 6 heures. Stanley et moi qui serons parmi nous. Cela veut dire que nous sommes ici pour tout un débit. Cela signifie également que nous méritons toutes ces choses que nous
vous demandons de cet empire. Pourquoi alors? Pourquoi sommes-nous négligés? Vous ne gagnez pas de miettes. Vous êtes juste des égoïstes. C'est le même. Ouais. Je ne pense pas seulement ça. Je le sais aussi. Parmi nous trois, il n'y a que moi qui connais les tenants et les aboutissants de ces jets. Maintenant, tu vois, considérant que tu as le bras droit, oui. As-tu besoin que j'abuse? Tu t'es décidé de me marcher dessus. Je mérite tout ce que je demande. Un bon salaire pour le travail que je fais. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu es en train de parler. Je... 20% de part dans toutes les affaires que nous sommes en train de faire ici. C'est ça. Et un pardon immédiat venant de toi. %10 15% Fais... Oui. Et... Ton pardon? Si je fais une requête, me sera-t-elle accordée? Sûr. Je vais une autre sortie avec des lilas. Ça, c'était une nuit à se rappeler. Alors, maintenant c'est bon. Non, plus encore. Tu y avais promis. Bien sûr que oui. Tu ne peux gagner à tout moment.
Voilà ma Flora. Écoute, peu importe que tu sois dans ta boutique, peu importe que tu sois au marché, tu dois savoir que tu ressembles à un peu d'aujourd'hui. Écoute, je ne peux te comparer à rien. Il y en a pas. Que, je ne te donne pas. Regarde comment tu Vas-y. Parles. Vas-y. Bon. C'est mon corps qui en a besoin. Je ne serai pas sans ça. Permets-moi de prendre les... Tu sais que ton argent est en train de monter. Tu me donneras l'argent de ta terre ou... Écoute, ceci n'est pas du tout un problème. Hein? Je vais te donner ton argent. Toi, donne-moi juste la matière. Je vais te payer ton argent. Tu m'as dit que tu as trouvé le job ou... Écoute, sans ça, je ne pourrais pas survivre. Si je ne prends pas ça, ma tête ne va pas bien fonctionner. Tu es vraiment... Ah, sain. Mon bébé Flora. Flora, la très belle. Écoute, je viendrai te chercher. Et puis, je vais t'emmener quelque part. Je vais pas des Flora, blagues. Flora. Flora. Pas des blagues. En tout cas, crois-moi, je viendrai te chercher. Franchement. Tu vois, pour ta matière, hein, je peux même t'emmener partout où tu veux, même si tu veux le ciel. Tu vois, pour ta matière, hein, je porte ça dans ma tête. Tu vois, quand je viendrai payer ton argent, je vais te prendre et qu'on parte quelque part. Toi-même, tu connais, hein, très belle fille. Je crois qu'il faut pas que je parle trop. Je serai là pour D'accord. toi. Je crois que je dois maintenant partir. Viens. Viens, je vais te bénir. Hey! Oh mon ça Dieu. Ça sera mieux pour toi. Oh, merci mon Dieu. Flora, ne t'inquiète pas, je viendrai. Écoute, je venais te prendre. Pas de très bêtises. Bonne fille. Ça sera mieux pour toi. Je viendrai te chercher, je te promets. Je m'en vais. Saka, ça a besoin d'être avec toi. Et je vais être avec toi. Excuse-moi? J'ai dit que Saka a besoin d'être avec toi. Et j'ai dit, je vais être avec toi. Je ne le comprends pas. Tu le veux? Parle-moi. L'honnêteté et la loyauté. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ta loyauté? Gagner ma confiance. Mais qu'est-ce que je peux encore faire pour gagner ta confiance? L'honnêteté. C'est ne bon? Les fais pas attendre pour plus longtemps. Salut la fille. Ouais, je Alors, suis là. Alors, tu dois suivre cette ligne. Où est-ce que tu l'as vu? Je les avais vus juste derrière les véhicules avant que vous nous quittiez. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Tu ne peux pas partir de cette façon quand même, non? Exprime-toi. Oh non, mais tu ne peux pas quand même. Hein? Je suis vraiment surpris que tu sois en train de partir après tous ces temps que tu partais de cette façon quand même. D'accord. Je veux ton attention, d'accord? Je n'ai même pas entendu ce que tu as dit. Chérie, tu sais, pour être honnête, je suis tombé sous ton charme. Oui, je ne voudrais pas vraiment que tu puisses aller de cette façon. Alors, je te supplie si on peut encore passer beaucoup plus de temps ensemble. Jésus, je serai ton ami. Jésus, je serai ton ami. Pour toute la vie, je Madame. Serai ton ami. Ekelebe, je t'ai sali, oh. Tu veux de l'eau? Attends, je te donne. Attends, l'eau de combien? Dis-moi, tu veux l'eau de combien? Je cherche à ce que tu me fasses une faveur. Hé. Hey. Mon nom est Flora. Je ne connais pas Flevo. Est-ce qu'il y a un Indien que l'on a arrêté ici? Est-ce que tu connais quelque chose à propos? De ce côté? Hey, je ne sais pas, oh. Je ne m'intéresse pas des gens de ce côté, oh. Je suis occupée avec ma Bible, oh. Tu vois, tout ce qui me concerne, c'est ma Bible. Donc, ce qui ne me concerne pas, je ne touche pas, oh. Je vois.
Les gars, partons. Carlos commence à prendre toutes les décisions entre ses mains. Sérieusement, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Un tuer de vache, c'est pas une mauvaise idée. De telle sorte qu'on puisse enterrer ce cas une fois pour toutes. Je vois ce monsieur en train de chercher à engloutir notre empire dans l'océan. Il s'accapare de tout. De tout, c'est pourquoi j'ai travaillé dur. Et nous devons les stopper. Et les stopper maintenant. C'est pourquoi tu es ici. Nous devons l'éliminer. Et cela le plus vite possible. Avant cela, nous devons avoir une sécurité blindée à nos côtés. Oui. La sécurité est nôtre. Pourquoi il ne se soucie pas de la cause des ingénieurs que je soutiens, quand même que c'est pour sa cause? Parce que j'ai un rôle très bien précis dans la maison. Et se mettre à poser des questions sur ce qui ne me concerne pas n'est pas du tout nécessaire. Qu'est-ce que j'ai décidé de te dire? Oui, je vais juste entendre. Mais après, je ne vais rien faire pour ça. As-tu déjà été amoureux? Ça dépend de ce que tu veux dire. Je veux dire, as-tu déjà aimé une femme? Et cela a été réciproque? Non. Qui est sa case pour toi? Il est un père adoptif. Alors tu dois savoir que tu as une bête pour père. C'est ce que tu dis? Qui est celui que tu appelles un père? Celui qui fait de l'ambiance avec n'importe quelle femme et tu me dis que c'est ton père? Je ne vais pas essayer de me mêler des affaires privées de mon père adoptif. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu aimes ça comme ça. Et c'est pourquoi que tu restais pendant longtemps. Pouvons-nous parler d'une autre chose, s'il te plaît? Dépose-moi à la maison. Je ne sais pas pourquoi je continue à penser toujours sur cet homme. Mais tu as dit que tu ne connais pas vraiment cet homme. Et pourquoi tu prouves des sentiments pour lui? Je ne sais pas. Alors quoi de neuf? Je mérite un homme, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors si Tom est juste un sujet de joie, c'est ça. Je dirais, il est bien charismatique. Je dirais, tout ce que les femmes veulent. As-tu considéré la nature de notre travail? Si tu l'as, alors, régis-toi. De toutes les façons, nous méritons d'être heureuses. Oui, à propos de ça, je pense que c'est difficile de perdre les considérations sérieuses. Merci de m'avoir appelé. Je t'en prie. Où est mon pote? Flora, mon bébé. Mon ami, bouge un peu, hein. Flora, comment vas-tu? Comme tu es fraîche. Tu peux déjà me donner la matière, non? Regarde tes pieds. S'il te plaît, mets-toi devant. Mets-toi devant. Regarde-moi, mon pote. Merci. Regarde un peu ton niveau. Mon pote. Calme-toi, non? Parle à basse voix. On va nous entendre. Ok, je comprends. Il faut faire attention à ceux de la police. Pas de problème, pas de problème. Attends que je te dise quelque chose, s'il te plaît. Attends. J'ai déjà trouvé un boulot, mais ils ne m'ont pas encore payé mon argent comme tu me vois là. Hey,
Ne crois pas que c'est parce que je me suis habillée comme ça, je n'ai pas changé. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je te dis la vérité, pourquoi est-ce que je vais te mentir? Je ne peux pas le faire hey, avec toi. Hein? Toi regardez-moi mon pote. Si tu penses que je te mens, tu ne vois pas mes chaussures. Hein? Oh, essaie de voir mes chaussures. Fraîche. Mes chaussures sont très jolies. T'es fraîche. Comme tu peux voir mes chaussures, je ne les ai pas achetées ici. Hein? Attends d'abord. Hein? Tu avais dit, hein? Si seulement tu reçois ton premier salaire, hey, tu vas venir ici, chez ton aide, tu comprends, non? Tu es tu à moi, tu le sais bien, essayer non? De me rappeler. Tu n'as pas à me rappeler. Et une fois que je prends cet argent, je n'aurai plus ta dette. Je commencerai à faire ça. Hein? Mon tu sais que toi, tu le mérites. D'ailleurs, Frick, comment vas-tu? Je ne serai plus du tout ce que je voulais. Hé, mon pote, rempli de fric. Flora, ma personne. Ah Flora, non. Ma personne. Tu vois, ces chaussures ne sont pas d'ici. Ces chaussures, elles ont été importées de l'Italie. Toi, tu le comprends. Hey, mon pote, si quand tu te laisse. De la matière, je t'assure déjà que. Je suis contente pour toi. Je suis très, très contente de nous toi. Nous serons ensemble partout. Nous serons ensemble. Hey. Je dois maintenant partir. Pas de problème. Hey, regardez mon pote. Comment est-ce qu'il brille, mon pote? Oh, bah. Ne dis pas ça, mon pote. Nous allons mon pote, revoir. Vas-y, marche un peu. Marche, moi, je veux voir. Hey, mon pote rempli d'argent. Ah, mon pote. Hey, hey mon pote, l'argent est bon. Oh. Regardez-moi mon pote. Ha, c'est pas vrai. Ouvrez. Je suis là. Madame, tu m'as cherché. Je veux que tu ailles dire à Red Season de pouvoir préparer le véhicule. Car je dois aller à l'hôpital pour un check-up. César, apprête la voiture, fin de citation. César, apprête la voiture, fin de citation.
Allô? Est-ce que tout est calme? Tout va bien, il n'y a aucun souci. J'aime que le calme règne. C'est vrai, vous avez raison. Tout est calme. Tu pensais que je blaguais? Oui, bébé, mais j'avais besoin de toi. Donc, tu avais pris ça comme étant une opportunité de faire tout ça pour jouer avec moi. Écoute, bébé, c'est pas que j'avais essayé de profiter de toi. C'est pour ça que j'ai toujours prié depuis tout ce temps. J'avais vraiment besoin de toi. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Je n'ai plus été dans mon état depuis tous ces temps. J'avais vu ça comme un privilège d'assister. Parce que j'avais vraiment besoin de toi. Mais tomber avec moi? Bébé, tu m'avais séduit. Je n'ai pas. Oui, tu l'avais fait. Tu avais vraiment insisté que je puisse te toucher. J'étais tombé et là, je ne pouvais pas me tenir. Je jure que je ne pouvais pas me contenir, bébé. J'ai beaucoup vu. Tout ce qui était arrivé cette nuit-là. Oui. Oui, bébé. Beaucoup s'était passé pendant cette nuit, mais... Je suis désolé pour ça. Mais j'ai toujours espéré que ça puisse arriver du jour au lendemain, que je puisse toujours t'avoir et te faire l'amour seul. C'est tout. Toutes les flatteries. Bébé, je ne suis pas en train de te flatter. Ne peux-tu pas voir combien je t'aime? Et quand je te vois, je plane, non? Je n'arrive toujours pas à me contenir parce que tu m'emballes à tout moment. Je sais que je t'aime, bébé. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je jure, je peux aller nulle part sans toi, s'il te plaît. Je vais construire mon empire avec toi. Je vais vieillir avec toi, s'il te plaît. Ne pars pas, hein? S'il te plaît. Je ne peux absolument rien faire sans toi. Je suis une perte sans toi. Je suis vraiment envie de sans toi. Je suis heureux que tu sois devant moi et je ne veux pas te perdre. J'ai vraiment envie de toi. S'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît. Reste avec moi, chérie. S'il te plaît. S'il te plaît. Reste avec moi, bébé. Bébé, s'il te plaît, ne pleure pas. Reste avec moi, chérie. Reste avec moi, bébé. Ne pleure pas. Qu'est-ce que c'est que ça, fils? Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi. Oui. Vas-y, je t'écoute. C'est concernant Juliette. Juliette? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Rien, père. Qu'est-ce que tu veux dire par rien? C'est quoi le problème? Parle! Rien. C'est juste que j'étais en train de penser. Je réfléchissais qu'elle ne mérite pas la confiance que tu lui accordes. Ça, ne t'inquiète pas à propos de ça. Je garde mon œil sur elle. D'accord, père. Oui. Tu dois être stupide. Non, Juliette, tu es celle qui doit encore réfléchir et faire un effort de revenir à ses esprits. Arrête! Si je n'étais pas sur le lieu, tu allais dévoiler ce qu'on a partagé. Nous n'avons rien partagé. Nous n'avons rien partagé. Je sais juste espionner ta stupidité. C'est maintenant ma faute. J'avais montré ma gentillesse chez toi. Je les vois. Juliette,
Tu ne peux pas prendre ton propre pied et le manger. Tu avais besoin d'un homme riche. Tu l'as eu. Et tu dois maintenant vivre l'amour et le bonheur. Parce que tu ne peux pas prendre tout à toi seul. Cézo, tu peux tout avoir si tu le veux. Réveille-toi, mon garçon. Est-ce que tu sais vraiment que tu es encore jeune? Comment tu peux continuer à être une bonne personne envers un vieil homme qui ne peut même pas rendre ta vie bonne? Réfléchis. Je ne peux avoir rien à faire avec toi. L'homme que j'appelle père, lui, il t'appelle femme. La manière dont tu l'appelles n'est pas un problème. Pourquoi tu ne peux pas? Il m'appelle son fils. Et c'est pourquoi il me donne presque toutes choses. Il m'a donné toutes choses, incluant la confiance. Juste pour te rendre esclave? Et finalement, t'es dompté comme les autres. Et s'il te considère comme un fils, pourquoi il n'a pas rendu ta vie belle comme les autres? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi? Pourquoi tu continues à être une bonne personne envers un vieil homme qui ne peut même pas rendre ta vie belle? Réfléchis. J'ai passé presque toute l'éternité de ma vie avec lui. Alors que lui ne m'a pas, il ne m'a pas permis d'atteindre le niveau d'études que je voulais atteindre pour ma vie. Il a tué mon ambition de devenir un jour docteur médical. Parmi toutes les personnes qui travaillent pour lui, c'est moi qui ai les salaires le plus inférieur. J'essaye d'ailleurs de survivre à sa miséricorde. Il n'a pas l'intention de me donner assez, de peur que je ne lui serve pour toujours, sans pour autant regarder d'autres options. Je suis toujours à côté de ses milliards, cependant, il ne me donne presque rien. S'il m'appelle fils, pourquoi ne me traite-t-il pas comme un? Pourquoi n'a-t-il pas pensé à une autre vie pour moi? Pourquoi est-ce que tous ses enfants vivent à l'étranger et moi je suis là comme étant son assistant personnel? Maintenant, c'est très clair que rien ne peut changer ce fait. Rien ne peut changer mon identité. J'ai été tiré à partir de quelque part pour être utilisé. Peut-être, juste peut-être que je n'appartiens pas ici. Kevin Phillips sera en ville. Je crois dans 2 semaines. As-tu une affaire avec lui? Non, on n'en a pas. Mais j'essaie de le faire venir. Comment tu peux l'expliquer? Regarde, cet homme est un grand homme. Le plus grand baron dans la cité de Kerry. Il gère de grandes affaires et il crée des affaires. Alors, quel est le numéro que nous devons appeler? Clean Green. Hmm.
Qu'en est-il alors du motard supplémentaire? Bon, d'accord. Prends-en un. Mais crois en ses sens. Je vais pouvoir considérer cela. En fait, c'est un facteur très important. D'accord, avance. Nous avons de traces sur nos corps. Et ça doit être enlevé. Pour que nous puissions le faire, j'ai besoin d'une fille intelligente et très sage. Et elle doit être très jolie. Patronne, est-ce que je peux avoir les détails de ces tâches? Flora. 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 Oh, viens, vite. Non, tu peux d'ailleurs même courir. Prenez-moi ça un peu. Maman. Mon pote. Lobo. Non. Aïe. Mon pote. Je vais te parler. Comment vas-tu, non? J'ai trouvé un travail pour toi. Dis-moi, où ça se trouve? Là-bas en ville. Attends d'abord. Alors, que voulez-vous que je fasse? Bonne question. À partir de maintenant, l'homme abandonné par le mât, c'est un tigre. Tu ne peux pas manger cet homme sans pour autant respecter le processus, parce qu'il est gardé spirituellement. La seule personne féminine là-bas, c'est toi. Ce que tu dois faire, c'est d'aller auprès de ces filles et les tuer. Comme ça, tu seras capable d'aller sur ton chemin avec succès. Comme ça, tout ira bien. Je me suis fait comprendre. Oui. Alors, à combien sera ma récompense? 10 millions de naira pour un début. Comme tu l'as dit, bien sûr. Je ne suis pas mécontente de ça. Comment ça? J'ai dit ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu sais quoi? Je mérite d'appeler après, ok? «
Allô? Quoi? J'essaierai là. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Cela n'est pas la réponse à ma question, jeune homme. Je te pose encore la question. Qu'est-ce que tu as avec elle? Réponds-moi. Ne me touche pas. N'essaye même pas. Viens, s'il te plaît. Réponds à la question. Fausse nouvelle, mon ami. Je t'ai dit que je n'ai rien à faire avec cette citoche. Juste parce qu'on a pris cette fois-là et puis on a fait le sexe, c'était tout. Oh, vraiment? Oui, je n'ai jamais vu après qu'on ait fait l'amour. Hein? Vraiment? Ce n'est pas mon genre de fille. Oh! Tu sais que c'est toi que elle j'aime. Elle n'est pas le genre de femme que tu aimes. Tu sais que je Chris, t'aime, non? Chris, ne blague pas. Ne blague pas avec moi. Ne me présente pas d'autres filles devant moi, Chris. Sinon, je vais en finir avec toi. Tu me connais très bien. Écoute. Ne me touche pas. J'ai de l'amour pour toi, ma chérie. Sérieusement, Chris, tu ne peux pas le faire avec moi, sinon je vais... Non, mais est-ce que tu peux comprendre que je t'aime? C'est toi que j'aime, elle, je ne l'aime pas, hein? Tu ne peux pas le faire avec moi, Chris. Sinon, je vais en finir avec toi, tu n'auras pas d'idée. Oh, bon sang, bébé, tu sais très bien que je t'aime. Je ne peux pas passer mon temps avec cette fille. C'est pas normal, c'est toi que je t'aime, hein? Et tu le sais. Vas-y, chérie. Tu sais que je t'aime. Chérie, n'essaye même pas de me toucher parce que tu sauras de quelle voix je me chauffe. Sacha, je ne m'intéresse pas à toi. Ne me pousse pas, Sacha. Arrête avec tes conneries. Sinon, stupide à le sort de cette place, maintenant même. Et si je ne le fais pas? Il est mieux d'arrêter cette bêtise. Je vais te mettre mal à l'aise pour toute ta vie. Sacha, je vais vraiment t'affronter. Et toi? Non, mais écoutez, Chris, vous devez arrêter cette bêtise. Arrêtez. Je vois toujours les gens aller livrer. Et je vous envie. S'il vous plaît, je vais être l'une de vous. Qu'est-ce qu'il y a chez nous que tu admires de plus? Le travail ou notre style de vie?
Je ne m'inquiète pas vraiment pour le travail, mais votre style de vie, votre façon de faire. Et alors, je préfère bien aussi être comme vous. J'apprécie vraiment. Qu'en est-il alors si ça te revenait de pouvoir payer le prix de cet argent? Plus comme quoi? Qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent? Tu sais, hein, je peux tout faire comme je l'avais dit. Je peux tout faire. Tu sais, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Je suis prête à tout. Hein? J'ai déjà vendu de l'eau. J'ai déjà fait fabriquer les briques. Ah. Hein? J'ai même déjà fait mettre le vernis. Ne me suis pas, tu sais. Des fois, ça me dépasse un peu. Hein? Je vous apprécie beaucoup. Regardez vos cheveux, les vêtements, les chaussures. En tout cas, je vous aime beaucoup. J'aime votre style de vie. Je l'apprécie énormément. Hey, regarde un peu cette maison. Regarde ce paradis. En tout cas, j'aime beaucoup. Bien. Ok. Prends ça. Hein? Oh mon Dieu. Peux-tu me les remettre? Non? Vas-y. Tu fumes bien. Ainsi va la vie, hein? Aussi grand que je trouve utilité dans ce que tu avais dit à propos de l'homme que j'appelle père, je ne vois pas pourquoi tu t'es décidé de tout me dire maintenant. Parce que je suis folle et amoureuse de toi. Tu n'es pas tombée amoureuse de moi. Tu sais que tu n'es pas. Et c'est quoi ton plan? Je pourrais peut-être te le dire, si tu voudras. Dis-moi quoi? C'était pendant la période que tu as été admise à l'hôpital? Oui, bien sûr. Quelles ont été ces raisons? Sa cause est une bête. C'est un monstre. C'est la seule façon qu'il prend plaisir au sexe. En te brutalisant? Cependant, tu veux toujours l'épouser. Non, je ne vais pas l'épouser. Je vais mourir directement si je le fais. Je ne vais pas mourir jeune. Alors pourquoi es-tu toujours avec lui? Parce que je ne peux pas quitter. Tu t'es réjoui de ça? Mais tu ne veux pas payer ma dot. Qu'est-ce qui ne va pas réellement avec toi? Es-tu déjà en train de voir quelqu'un? Non. Je ne peux pas te tromper. J'ai dit juste. J'étais en train de dire que peut-être que tu peux regarder cet ignore. Ou une façon de la rendre légale ou officielle.
Je suis prête pour le mariage. Tu le sais. Il n'y a qu'une seule personne qui peut chercher à me séparer de toi. Qui est-elle? La mort. Oui. La mort. Tu es averti. Masse-moi. Allez. Je ne peux pas les quitter. C'est ce qu'il t'avait dit? Oui. Il m'avait lancé un défi. Que si j'essaye de les quitter, il va me tuer. Alors, tu es obligé de vivre avec lui aussi longtemps qu'il sera encore sur cette terre? Non. Je veux la paix. Je veux ma paix. Et ça veut dire quoi ce que tu cherches? C'est quoi la paix pour toi? Je veux la paix. Tu mérites une bonne vie. Et ceci peut nous coûter une vie. J'ai un plan. Quel plan? Viens. Boss veut être avec toi. Dis-lui que je serai avec lui bientôt. Dépose ton arme. Si tu peux, il n'y a pas de limite dans tout ce que je peux faire. Alors ne me pousse pas. Ton arme ne m'impressionne pas, Sacha. Alors fais ce que tu veux. Vas-y. Ma réaction va te faire regretter. Cela sera juste un commencement. Parce que je vais en finir avec toi immédiatement. Je dis, dépose ton arme maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je t'appelle père. Je t'ai toujours servi pendant toute l'éternité de ma vie. Tu m'appelles fils. Mais considères-tu vraiment comme un? Oh, t'es belle. Tu veux sortir? Non, père. Je n'ai nulle part où aller par ici. Tout ce que je veux, c'est d'être traité comme un fils et non comme un serviteur. Je t'ai écouté, fils. Nous allons parler plus tard. Merci, père. «
tu abuses ma patience. Je ne suis pas ton esclave. Alors, tu ne peux pas me manipuler. Je pense que tu connais le G. Je ne pense pas. Je ne fais pas actuellement ce G. Je vais te dire quelque chose. Puis-je te dire ton plan? Je connais très bien ton plan. Je connais ça. Je suis désolée, chérie. Je ne connais pas. Sa cause aussi l'a fait. Alors ne prends pas son parti. Ah, femme, tu n'as qu'à te renseigner auprès des gens. Tu n'es qu'une bête et de feuilles perdues. Donc, le mieux à faire, c'est de te renseigner auprès des gens parce que je peux te haïr tellement fort. Et toi, tu ne me verras même pas venir. J'étais beaucoup attendu, ma chérie. Et maintenant, c'est la fin. Félicitations. Merci. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Prends ça. Ça, c'est ton salaire. Pour le travail bien fait. Merci. Merci énormément. Sa cause a ordonné que tu sois instantanément, oui, que tu sois comme l'une de nous. Ah, oui, merci. Tu as maintenant un travail. Merci énormément. J'aime. Merci beaucoup. Waouh. Avec le temps, tu recevras plus. Merci.
Ça, c'est ton argent. Et réjouis-toi de ça. Waouh. Parce que c'est une victoire pour toi. Assis-toi sur la chaise. C'est ton argent. Tu le mérites. Je voudrais souhaiter bienvenue à notre nouveau membre. Elle est dans ses affaires pour la première fois. Mon nom est Floria. Et j'aimerais vous remercier pour votre accueil. Je suis aussi très contente d'être ici parmi vous. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Merci. Sir. Monsieur. Prends place. Merci, monsieur. J'ai aussi été informé que vous êtes allé à une livraison de succès. Félicitations. Merci, monsieur. Le prochain, Sacha. Boss. Sacha. Sacha, tu as dépassé tes limites. Sacha, tu as vraiment commis ces crimes de professionnel. Demande-lui pardon. Mais non. Je suis désolé, boss. Tais-toi. Y a pas de mais. Vas-y. Vas-y. Mes sincères excuses. Encore. Mes sincères excuses. J'ai besoin que tu jures. Jure que ça ne va plus se répéter. Je t'attends. Je promets que ça ne va plus se répéter. Tes excuses, je les accepte. Mais prends place.
Prends ton nom. Steve. Oui, je suis là. Je suis là pour toi. Oh. Je suis un bon garçon. Tu me fais du bien. Tu es sûr? Tu es sûr qu'on va faire l'amour? Tu veux un peu d'eau? Mm-hmm. 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 Ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent une très bonne fille plus que toi. Tu sais que tu l'as beaucoup manqué. Alors tu dois en avoir. Tu peux faire ça à tout moment. Ok. Sois satisfaite. Tu es trop belle. Ok, vas-y, fais la bizarre. Ça te fait du bien? Est-ce que tu aimes? Dis-moi. Hein? Eh bien. Il n'y a pas de changement. Nous devons aller à l'hôpital. Ça va aller, ne t'inquiète pas. J'irai mieux. Tu es toujours comme ça, c'est pourquoi il n'y a pas d'échange. Mais tu ne veux pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi? Ne t'inquiète pas pour moi. Oh, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Oh. Il est temps pour nous d'aller à l'hôpital. Oh, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mm-mm. Tu ne venais pas ici pour faire une magie. Oh. Ta soeur n'est pas une option. Si j'entends une autre, je pourrais la considérer. Maman, tu rends des choses difficiles pour moi, maman. Tu rends des choses difficiles pour moi. T'inquiète. Tout va très bien se passer. Maman, tout ira bien, tout ira bien. Tes jours sont comptés, Joseph. Pourquoi? Je suis le patron de cette équipe. Et tu as raison, mais il y a un combat de l'autre côté. Est-ce que tu peux combattre cela? De quoi il s'agit? Alors, ça coûte combien? 3 millions de dollars. Sarcasme était venu avec 10 millions de dollars pour la consignation. Mais j'étais venu avec beaucoup de stratégies et j'ai échoué, je suis désolé. Tu m'avais assuré que tu ne vas pas échouer avec tous ces ordres. Je pense que c'était mieux que toi. Il était venu avec beaucoup de stratégies et j'ai échoué avec ça. C'était à cause de cette fille. Et comment tu l'as su? Tu ne pouvais pas écouter cette fille. Voilà ton erreur. Mon erreur? Ne t'en fais pas, je suis le code de ces jeux et je ne peux que t'écouter. Tu n'as qu'à bien travailler. Laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarcasme a rejeté l'affaire que nous lui avons proposée.
Est-ce Philippe est tombé pour lui? Nous n'allons pas suivre ces Lucifer. Oh. Je suis en train de me poser des questions de savoir pourquoi il a foutu cette bêtise. Pourquoi ne pas le faire d'une façon mécanique? Hein? Oui! Il possède notre marchandise élevant à 10 millions de dollars. Et présentement, j'étais en train de lui agiter 7 millions de dollars. Ce monsieur est un fou! Il a un problème mental, oui! Il est fini, oui. C'est sa finale! C'est tout pour lui. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de cet acte? Vous l'avez vu partir et il est mort pour le bien. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à faire ou à dire? Ça, c'est un avertissement pour vous tous ici. J'espère que c'est clair. J'espère que cette leçon est claire. Donne-moi! Le plus grand de notre empire, le plus haut est en route. Et cette venue est fonction du temps. Nous allons faire l'échange de 10 millions de dollars contre la consignation. Et cela ne tiendra que dans un mois. Les détails ne sont pas encore dévoilés. Mais ils vont bientôt nous communiquer le jour. Et vous, chacun, en ce qui le concerne, doit être clair à propos de sa vie, ainsi que fort. Et cela serait mieux. Et cela sera vraiment mieux préparé. Donc nous avons choisi un mauvais chemin. Mais cela ne changera pas. Où irons-nous? Si pas abandonner la vie avec tout ça. Alors que nous avons décidé d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Oh Dieu! Il est mort. Il a décidé d'aller pour de bon. Après 15 ans de servitude.
Je me pose trop de questions. Quand sera-t-il de nous? Peut-être qu'il a été signé que nous allons tous mourir. Tu dis? Cela ne sera pas le cas. Nous avons investi beaucoup pour que ceci nous arrive. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le temps nous dira. Le temps nous donnera raison. Prends ça. Pas comme si tu ne l'as jamais vu faire de mauvaises choses. Pourquoi il n'a pas pris ta bonne part? Pourquoi César? Pourquoi lui? Est-ce qu'il mérite cette fin misérable? Mérite-t-il cette trahison venant de l'homme qui l'a servi diligemment pour plusieurs décennies? Ce qui est arrivé à César, c'est une grande leçon pour nous tous. César pouvait être toi ou moi, soit nous tous. Je crains maintenant plus que jamais. Pendant combien de temps allons-nous continuer à vivre dans cette limitation? Personne ne répondra à cette question pour toi. Tu as la réponse. Tu crains qu'ils nous poursuivent? Et si on continue de rester ici, nos vies sont perdues. Il connaît à propos de nous. Il est maintenant en train de nous suspecter. Pourquoi tu dis ça? Tu sais à quel point cet homme est méchant. Et pourquoi as-tu couché avec elle? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon cher ami, ne fais pas semblant. Ne fais même pas semblant parce que je t'ai vu, je t'ai attrapé sous le lit avec elle. Oui. Regarde, cet homme est inapte, mais n'est pas aveugle. César, tu dois me sauver. Tu dois me sauver. J'ai déjà fait ça. Mais en fait, tu dois être prudent. Tu dois être prudent. En fait, je sais, tu ne connais pas qui d'autre te suit. Écoute. Cet homme m'a demandé de monter une garde sérieuse entre toi et Juliette. Oui. Bien que je lui ai menti, je lui ai dit que je n'ai rien découvert. Mais tu dois être prudent. Il peut aussi recruter une autre personne pour ça. Et cette personne que je ne serai plus va te filer. Je sais, mais merci, César, merci énormément.
Merci. Ne me remercie pas seulement. Apprends-en une leçon et arrête cette bêtise. Bien sûr. Tu dois être en train de blaguer. Non, ce n'est pas ça. Nous devons aussi bien essayer de garder un grand secret. Mais ils ne m'ont jamais dit quelque chose du genre. Oui, il ne l'a jamais. Mais s'il peut nous suspecter, alors la confiance ne pourra plus être là. Et qu'est-ce que tu suggères? Nous devons rester loin l'un l'autre. Au moins, pour maintenant. Amaka, tu as l'air triste tous ces jours. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi dois-je être heureuse? Ma maman est en train de mourir. Mais je pensais qu'elle avait déjà retrouvé sa force. Jour après jour, son état est en train de s'aggraver et on n'a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Alors, mais tu as une sœur en ville. Pourquoi elle n'a pas envoyé l'argent pour que tu l'emmènes à l'hôpital? Chinena, je t'avais dit oui. Ma maman n'a rien à voir avec l'argent provenant de ma sœur. Donc elle ne veut rien provenant de ma sœur. J'ai vraiment insisté. Mais elle ne le veut pas. Que je Alors, fasse quoi? Vas-tu la regarder mourir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, non? Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, si je peux te prodiguer de conseils, je te dirai d'appeler ta sœur et de lui demander l'argent sans pour autant que ta mère ne puisse être au courant. Hein? Ok. Je vais seulement le faire. Je vais le faire. Qu'est-ce que... C'est ma ce que tu dois faire, va oh. Pas bien, mais elle est toujours très compliquée. Ça suffit, elle ira très bien, ok? C'est Ça vrai. Va aller, tout ira bien. Hein? Amaka, comment vas-tu, mon amour? Jeune homme, je n'ai pas le temps de perdre avec toi, je suis pressée. Attends, reviens. Je ne veux pas du tout te faire perdre ton temps. Aussi longtemps que tu me donneras la satisfaction, c'est ce que je veux. Quelle réponse veux-tu? Attends d'abord, essaie un peu de dire oui à ma proposition, non? Jeune homme, tu n'auras aucune réponse. Tu n'en auras pas. C'est quoi ça encore? Tu es très méchant, tu es vraiment méchant. Je ne demandais même un petit rien pour payer à l'hôpital pour ma maman. Mais tu as refusé. Et maintenant, tu me demandes les sexes. Tu es vraiment sorcelle et qu'est devant mon chemin? Attends. Ah, pourquoi te comportes comme ça? Ne fais pas ça. Calme-toi. Quel Dieu tu utilises? Calme-toi. Calme-toi pour Jésus. Ne me crucifie pas comme ça. Je suis une bonne personne. Mais tu dois comprendre non, que rien n'est pour rien. Et d'oser. Rien n'est pour rien. Amaka, reviens. N'importe quoi. Viens encore. Amaka? Amaka, tu m'as giflé? C'est à moi que tu as fait ça. Pas de problème. Je t'aurai toujours. Hein? Je t'aurai toujours. Grande sœur, bonsoir.
Grande sœur, nous ne sommes pas bien, oh. C'est à propos de maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Maman est vraiment malade. Et on n'a pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. C'est depuis quand qu'elle est malade. Il y a une semaine maintenant, grande sœur. Une semaine? Et vous ne m'avez rien dit. Grande sœur, je vous appelais, mais le téléphone ne passait pas. Je vous envoie l'argent. S'il te plaît, amène-la à l'hôpital. Tu m'as saisi? Je vais revenir. Demain, de toutes les façons. D'accord, grande sœur, d'accord. Bye. Je voudrais que tu suives l'absence de ces hommes. Je vais les faire, boss. Je vous plaide ma loyauté et mon allégeance. Bien. Et tu seras tenté à savoir beaucoup de nos secrets. Le grand secret de cet empire. Et je suis sûr que t'en seras heureux. Et aussi, quand tout cela sera accompagné par un salaire colossal. Ce n'est pas grave, boss. J'ai dédicacé ma vie à vous servir aussi longtemps que j'aurai mon salaire payé. Donc, qu'il en soit ainsi, quatre cent mille naira. C'est vraiment beaucoup. Merci, boss. Merci, boss. Merci, boss. Adam Dada, grand respect. Mais non pas. Merci, boss. Tout cet argent que tu viens de dire, c'est vraiment trop. Oui, c'est vraiment beaucoup. Désolée, maman. Désolée. Maman, désolée. Désolée, maman. Désolée, lentement. Désolée. Désolée, maman. Oui, doucement. Doucement, maman. Désolée. Désolée. Oui, doucement, maman. Désolée, maman. Désolée. Doucement. Oui, doucement, maman. Désolée. Oui, doucement. Doucement, maman. Désolée. Oh. Doucement. Désolée. Oh. Désolée. Désolée. Oh. Désolée. Lentement. Ouais. Désolée, maman. Attendez, je prends quelque chose et on part à l'hôpital. Attendez, attendez-moi. Que veux-tu que je puisse faire, Titiana?
Titiana, tu n'es pas un médecin. J'envoie l'argent pour soigner ta maman. Au lieu de dépenser de l'argent, et le docteur fera le reste. Qu'as-tu pu faire avec tout ce que tu as pu gagner pendant tous ces temps? Ça n'a pas été suffisant. Merde. Je n'ai plus de temps pour toi encore. Je ne peux pas le faire. Écoute, nous avons beaucoup à faire ici. Et tu n'as pas besoin de demander de temps de repos. De quoi es-tu en train de parler? Tu es en train de m'apprendre à comment diriger mon empire? Diriger mon affaire? Personne ne peut me dire comment diriger cette affaire. Petit Anna, tu dois retourner ici. Et cette conversation est finie. Ma belle, pourquoi dors-tu par terre? Ma belle, il y a plusieurs chaises ici. Pourquoi ne pas dormir sur le canapé? Ma belle! Ma belle! Ma belle, tu vas bien? Ma belle! 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 Alors, si on nous disait qu'elle a été empoisonnée? Qui l'a tuée? Personne d'entre nous n'a une raison de tuer ma belle. Personne. Qui l'a tuée alors? Cette mauvaise surprise nous a choqués. Je ne crois pas que parmi nous, il y a quelqu'un qui l'a tué. Ok. Attendons que Sakaz et Titiana viennent. Autant que je le voudrais. Ne prétends pas de connaître la provenance de sa mort. Femme forte.
Elle est morte. Et suis-je censée de connaître que quand tu l'as maltraitée, Chris est mort et il est parti. Si oui, les autres, il ne va pas les ramener en vie, n'est-ce pas? Heureusement, j'avais compris qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait. Tu as raison. Et tu sais que je me rappelle revenir ces jours-là, de connaître que mon amour n'était plus ce que j'avais senti jusqu'à présent. Je ne peux les remplacer. Je savais que c'était ton plan. C'est pourquoi je n'avais pas demandé. Pourquoi? Parce que la personne était déjà partie. Et cela n'était plus important de te le demander encore. Et tu as révélé tous mes secrets à ma famille. Et tu as amené toute ma famille à... Voilà, c'est bien, tu m'as braqué à leur tir directement. Regarde, tu n'as aucun pouvoir de faire... Je l'avais fait il y a... longtemps, je sais. Mais c'était une mauvaise décision. Une très mauvaise. Oui. Dis-moi à propos de ça. Tu vois l'homme que tu t'inquiètes beaucoup pour sauver son business. Ne se soucie même pas de toi. Arrête ce que tu dis. Ce chien arrangé ne mérite pas la loyauté qu'il obtient de nous. À moins que ta question soit en train de souffrir d'une réponse. Du moment où notre collègue était empoisonné. C'est tout. Si toi, tu ne l'as pas fait, moi aussi je ne l'ai pas fait. Fouck ne l'a pas fait. Et qui est le responsable de cet cadavre? La personne qui l'a tué, on cherche à le découvrir par tous les moyens nécessaires. Je vois.
Si nous ne savons pas la personne qui l'a fait, alors, qui l'a fait? Et si la personne qui l'a tué est parmi nous, je vais notifier son nom sur la liste, même si elle a été empoisonnée. Et qui a fait ça? Jésus-Christ, sois juste. Bien. Par là, il y a une question. Qui ou quoi sera la suivante? C'est moi, maman. Maman, il y a un problème? C'est quoi le problème? Maman. Ouais, c'est moi. La grande série de retour, maman. Oui, grande sœur. Où est-ce que tu trouves tout ça? Ah, maman, je pars avec à l'intérieur. Je vais me mettre là-bas à la maison. Je vais mettre ça à l'intérieur, maman. Amaka, je demande encore, où est-ce que tu trouves tout ceci? Je l'ai là-bas, non, maman? Tu ne vois pas? Toutes ces histoires dans ma maison, je vais les mettre dehors. Pourquoi? Et celle qui les a fait entrer et celle qui les a apportées. Maman, est-ce la grande série dangereuse? Oui! Elle est. Surtout que la source de toutes ces histoires est encore compliquée. Je ne peux pas du tout tolérer ça. Non, tu m'étonnes beaucoup. Hey! Maman, quelle est la signification de tout ça? Tu es la première personne à prier pour moi afin que j'ai de l'argent, que j'ai des moyens. Et maintenant, maman, j'ai tout. J'ai de voitures, j'ai de l'argent. Et pourquoi vous inquiétez encore? Dites-moi, pourquoi vous inquiétez? Est-ce impossible? Pourquoi? Oui, j'avais prié, oui, de ce que j'avais prié. Et non pour des choses inexplicables, jamais. Hein? Je ne saurais pas accepter ce genre de choses. Hey, jamais. Hey. 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 J'ai acheté tout ça juste pour toi, maman. L'essentiel à faire maintenant, c'est prier pour moi, maman. J'en veux pas. Pars. Rentre avec.
J'en veux pas. Pars. Elle ne revient plus jamais. Et toi? Je ne veux pas voir ces choses dans ma maison. M'as-tu compris? Si je le vois à l'intérieur, tu verras. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Grande sœur, maman était toujours comme ça. Elle n'a pas toujours changé. Ne vous inquiétez pas pour elle, grande sœur. Ah! Grande sœur, s'il te plaît. Elle n'a pas toujours changé. Non! Tu la connais bien, non? Elle ne peut pas changer. C'est grande bon. Sœur, où est-ce que vous partez maintenant? Ça ne dérange pas. Grande sœur, où est-ce que vous partez? Oh. Grande sœur, non, où est-ce que vous partez? Écoutez, grande sœur, la façon dont elle me regardait, vous pouvez imaginer. Elle me regardait tout en ouvrant tous ses yeux. Et quand elle me regardait comme ça, j'avais tellement peur. J'ai fermé mes yeux, j'ai couvert mes yeux comme ça. Je vous dis, j'avais tellement peur que tu ne peux imaginer. Tu es vraiment drôle. Mais sinon, grande sœur, vous allez m'acheter ce que vous avez dit. Vous allez m'acheter, grande sœur. N'oubliez pas, il faut que vous me l'achetez, grande sœur. Où se trouve maman? Elle vient. Oh, maman. Bienvenue, maman. Maman, tu es la bienvenue. Chica, je t'avais dit de partir avec ta voiture et ne plus revenir. Je ne veux plus voir ces voitures remplies de sang dans ma parcelle. Prends ça et pars avec. Chica, s'il te plaît. Cette voiture n'est pas ce que vous pensez réellement. Hmm? Alors prouve-le. Montre la source de tes biens. Où travailles-tu? Hein? Où est donc ton bureau? Quel genre de business légal peut donner cette marque de voiture? Et l'argent que tu dépenses? Et en plus, en une courte période, même pas une année, depuis que tu es parti en ville. Emmène-moi en ville là où il y a l'arbre sur lequel tu coupes de l'argent. Je n'accepterai jamais l'argent sale. Et ni encore des voitures. S'il te plaît, pars avec ta voiture. Tu commences maintenant à m'énerver. Avec toutes tes mauvaises accusations et tous tes agissements. Arrêtez de faire ça, maman. Je vais bientôt te faire tomber et te couper en morceaux. Tu me parles aussi le français. Peut-être que tu as rejoint ces prostituées. Je pars faire un saut. Et en mon retour, je ne voudrais pas te trouver ici. Et ta voiture sort de chez moi. Pars et ne reviens plus jamais. Pars de la même façon que tu avais fouillé cette parcelle. Pourquoi maman est comme ça?
Je suis tourmentée. Et trop inquiète que... Je n'arrive pas à comprendre tout ça. Et maintenant, je le sais. Ce n'est pas de ta faute. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire dans ces cas. Au ciel, mais ma maman, je suis incapable de lui donner ce que j'ai. Pourquoi? Ah, longue histoire. Pourquoi tout ça grandit? Dis-moi d'abord. Va loin de moi. Grand-sœur, dis-moi. Amaka, grand-sœur. Parfois, notre bonne vie n'est pas la réalité. Mais ça va aller. Nous sommes venus faire les arrangements. Atterrir maman le plus vite possible. Titiana. Titiana. Tu as défié mes ordres. Tu m'as défié, moi. Pour moi, je considère que cela comme une insulte. Tu es parti quand je t'ai dit ne pars pas. Stanley. Le donne. Stanley. Fais-le de manière propre, moins douloureux, ce meurtre. Oui. Elle n'a plus droit à respirer le souffle de vie demain. Pas. S'il te plaît, le don. Cet assassinat en fera un peu de trop. Est-il si important? César. Marbelle. S'il te plaît, accorde à Tidiane. Peut-être une dernière chance. Une dernière chance peut être assez. Pour qu'elle essaye de corriger les mals qu'elle a pu faire. S'il te plaît, est-ce que je peux?
Il est évident que nous ayons été attaqués maintenant. Les chasseurs sont soudainement devenus la proie. Il y a quelqu'un qui veut nous exterminer de cette ville. Oh, t'es blé. As-tu quelques soupçons dans ta tête? Tu devrais être capable de répondre à cette question. Tu es dans la meilleure position. J'ai quelques soupçons. Et finissons. Et pousse-les en dehors de cette ville. Pour que ce bâtard... Oui, boss. Quelque chose sur cette fille n'est pas normal. Pourquoi tu dis ça? Elle a des mouvements un peu suspects. Désolée à propos de l'appel. Elle n'est pas du tout véridique. Écoute, cette nuit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours réveillé? Y a-t-il un problème avec ça? Pas de problème. Non, je pars à moi dormir. Y a rien. Tu es toujours réveillé aussi? Non, oui. Oui, en fait, je m'étais réveillée pour prendre un peu d'eau et aussi peut-être regarder un peu la télé, tu vois? Ah, ne te dérange pas. Bon sommeil. Éteins les ampoules. Telle était la nuit dernière de sa mort. Oui. Je vais te dire quelque chose. Parle. Garde un œil attentionné sur elle. C'est fait. C'est le temps de faire le mien. Ça? Ce n'est même pas une option. C'est un fait. Comment saurons-nous si l'un bon plan de nous tuer, nous tous, bien sûr?
Je pense qu'on doit la découvrir. Incroyable. Incroyable. Elle commence à se poser des questions. Je pense qu'elle suspecte déjà. Tu penses qu'elles vont le découvrir? Ce n'est pas impossible. Je suggère qu'on limite nos réunions. Ou, si c'est possible, trouver une autre option. Ça, c'est une bonne idée. Je suis tenté de dire que je suis personnellement impressionné par ton progrès. Le comble, c'est que nous devons les foutre à la porte, l'un après l'autre. Alors, lorsque tu t'approches de là, tu tires. Ça ne sera pas facile. Il est très bien surveillé. Et c'est difficile de pénétrer chez lui. La dernière fois quand j'étais face à face de lui, il tenait une réunion très, très importante. Alors tu vas devenir leader de ces filles après ces assassinats. Tu y as le privilège d'être avec lui, toujours. Je travaillerai là-dessus. Tu dois partir maintenant. Donc, c'était toi, depuis tout ce temps. Je n'ai que trois mots pour toi. Qui t'envoie? Personne. S'il vous plaît, ne tirez pas sur moi, je vous en prie. Je vais tout vous dire, ne tirez pas sur moi. Je vais tout vous raconter, s'il vous plaît, non. Et pourquoi me fais-tu attendre? J'arrive. S'il te plaît, sois rapide. Ok. S'il te plaît, pardon. Je vais tout te donner. Pardon, pardon. Ne tue pas. Oh, pardon. Je t'en prie. Hein? Ah! S'il te plaît, ne me tue pas. J'ai 10 millions là-dessus. Oui, je veux te... Douze heures du soir, avenue Jarman. Seras-tu présent? Non. Mais pour aller, il faut une condition. On ne donne pas de conditions, sarcasme.
Je peux comprendre. Dois-je voir cela comme... fait? Non, c'est bon. Quelles sont ces conditions? Il a dû insister à ce que tu puisses partir. D'accord. Tu dois te préparer pour celui-là. Sans nez de grand. Oui, le don. Par rapport à cela, le prix qu'elle doit payer. C'est moyennant le coût des transactions. Tu fais le balayage de tous ces problèmes. Sois prudent. Tu peux partir. C'est quoi ce que tu suggères? Ça, c'est le bon moment que nous avons tant entendu. $10 millions. C'est vraiment beaucoup pour changer notre vie. Je sais. C'est une somme importante. Une grosse somme que sa casse ne laissera pas partir. Il sera après nous. Il sera après nous avec tout ce qu'il possède. Rester ici, c'est un risque. Et comme toujours. $10 millions, cela est un grand risque pour nous. C'est un grand risque. Je ne vais pas aller tout seul. Il est en train d'envoyer quelqu'un avec moi. Prends soin de personne. Je prendrai soin de Sakars. Spécialement. Ce n'était pas ça les plans. On ne doit pas d'abord s'intéresser à l'argent. Oui, mais on ne devrait pas nous déconcentrer maintenant. On a encore besoin d'argent.
Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas avoir accès sur cet argent. On peut quand même. On ne peut pas tuer Stanley. Si Stanley ne veut pas mourir, elle doit nous donner notre argent, bien sûr, pour chercher la paix. À propos de ça. Ok. Et alors, pour l'argent? Pourquoi dois-je m'inquiéter pour les sangs qui ne me concernent pas? Ce que nous voulons, c'est de l'argent. L'argent? L'argent est l'objectif. Hmm? Tu dois m'aider à aller au lit. J'ai envie de dormir. D'accord. Quoi tu fais? Tu dois juste rester calme et observer tout ce qui sont en train de passer. Qu'es-tu en train de chercher? Ça? Pétasse! Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. De quoi es-tu en train de parler? Mon nom c'est Juliette Obiofuna, la fille de Madame Véronica Okafu. Et tu es là, la fille de Véronica? Et tu es une citoche, juste comme ta maman. Je sais. Après tout ce que j'ai pu faire pour toi, c'est de cette façon que tu me rends l'ascenseur. Tu n'as rien fait. Mais la peine et la misère. Mais au contraire, c'est moi qui a fait beaucoup pour toi. Et en retour, tu as voulu me tuer pour rien. Mais, personnellement, je ne pouvais imaginer. Mais aujourd'hui... Je maudis le jour que je t'ai rencontré. Ça, c'est... c'est des gènes démoniaques. Peut-être que tu pouvais arrêter avec ce travail. Mais c'est trop tard maintenant. Réjouis-toi. Tu y es le boss. Réjouis-toi. Vas-y maintenant.
tout est déjà prêt? Ça ne faisait pas partie du plan. Et qu'est-ce que tu dis? Pourquoi l'as-tu tué? Parce qu'il désire mourir. Nous nous étions mis d'accord de ne prendre que l'argent et de le laisser libre. Pourquoi as-tu pris sa vie? Bébé, je vais te dire. Mais dire quoi? Sakaus avait tué mon père. Quoi? Alors c'était une mission de revanche? Peut-être. Et pourquoi m'as-tu fourré dans tout ça? Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Et je vais donner à ta vie du sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Sakaus supposait se marier avec ma maman. Ma maman a dû l'attraper voler plusieurs fois. Mais a dû échouer à créer une bonne relation. Quand elle avait trouvé une autre personne, qui était mon père, Sakaus avait décidé de les tuer. Lorsque ma maman avait 7 mois de la grossesse. Comment savais-tu tout ça? Elle m'avait dit lorsque j'étais encore petite. Comment as-tu pu entrer dans sa maison? Comme une servante. Après sa première nuit, tout ce qui restait vrai. Ceci était vraiment une expérience triste. Sakaus, c'est un monstre. Il a bien mérité tout ce qu'il a eu. C'est qui Delilah? Titiana. Et comment à propos d'un rendez-vous avec Delilah? Ils étaient couchés ensemble, mais Sakaus l'avait dompté pour moi. Il était mort, donc, et tous sont déjà morts. Il est mort avec Tilaïla. Oh les mains, oh les mains! Oh les mains! Toi, bouge! Avance, avance! Avancez! Avancez! Très rapidement! Non! Hein? Avancez! N'importe quoi! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est de trop.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Yeah, we run the city. Tell me what you wanna give me. Yeah, I got the dough, we got the dough. When I talk, you listen. Or you want me to pull my pistol? Then you see the bullet fly. So you better show some respect. Stop showing that you are a bitch. Cause I got the dough, I got the gun. I got the power to make you to run. So you better know, I'm not your man. So find your match before you will lose. Yeah, we playing by the golden rules. So you get all up my face before I pull the bullet. Rugged is our identity, hey. Hey. Brutality is our destiny, hey. So you carry it, 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 hey. Rugged is our identity, hey. Hey. Brutality is our destiny, hey. So you carry it, hey. So you carry it, hey. So you carry it, hey. I'm a superstar, so call me a gangster. Cause if you cross my lane, I'm gonna whip your ass. Take no shit from nobody, I deal no shit from nobody. Walking, I'm walking, I'm walking, I'm walking, and making my money to please nobody. We give no shit for nobody. Hey, we take no shit from anybody. Hope you got it, so I got it. Hope you got it, so I got it, hey. Rugged is our identity, hey. Hey. Brutality is our destiny, hey. So you carry it, 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 hey. Rugged is our identity, hey. Hey. Brutality is our destiny, hey. So you carry it, hey. So you carry it, hey. So you carry it, hey. I'm a superstar, so call me a gangster. Cause if you cross